notre nouvelle émission La parole aux écrivains dans le cadre de notre cercle Le rendez-vous Rivoche. Enfin, en son écrin, les éditeurs à Saint-Germain-des-Prés. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, de vous offrir la première interview de l'année, la première conversation avec notre invité. Alors, comme écrivain, il a la parole libre, comme directeur de culture et diplomate. Il est devenu un acteur, un regard au service de la culture, avec une vision humaniste, philosophique sur la transmission, l'éducation. À l'appui de ses différents engagements, eh bien, tout au long de sa carrière, il nous rappelle que l'accès à la connaissance, au savoir, quel que soit notre milieu, est un passeport pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour découvrir le monde, se découvrir aussi. Découvrir le monde, c'est aussi découvrir notre histoire à travers les différents explorateurs, notamment les explorateurs marins et tout cet univers qu'il aime profondément. Témoin de son époque, il partage également sa quête personnelle sur la filiation, les origines, la paternité. Et aujourd'hui, comme ambassadeur de France en charge des pôles et des enjeux maritimes, il continue avec son expérience, sa lucidité et bien sûr son ouverture d'esprit, de participer aux nouvelles décisions en faveur de notre futur. Merci et bienvenue Olivier Porvoo d'Arvor. Merci, c'est vraiment mieux qu'une fiche Wikipédia. Merci beaucoup, maman. C'est un beau portrait, j'espère mériter un peu de ce que vous dites. Eh bien, merci Olivier d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous accueillir. Justement, richesse de l'homme, richesse de l'homme public aussi. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec nos invités aujourd'hui, car homme de culture, et nous allons en parler, c'est assez sensible en ce moment, et également les préoccupations que nous avons tous, que nos lecteurs ont également, au regard des nouvelles fonctions que vous venez d'embrasser. Alors, on va aller sur votre chemin, si vous le permettez, nous allons vous suivre. Ce chemin qui commence à Alexandrie, alors nous avons le choix aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de publications de la part d'Olivier Porvoo d'Arvor, d'ailleurs avec votre frère aussi, Patrick Porvoo d'Arvor, qui est un ami également de notre cercle. Alors aujourd'hui, le roman d'Alexandrie, publié chez Tchou, qui a été réédité en octobre-novembre 2020, le dernier. Bien sûr, le jour où j'ai rencontré ma fille, édité chez Grasset, ce témoignage et en même temps cette lettre d'amour à l'égard de votre fille que vous avez adoptée. Nous avions fait d'ailleurs, il y a 7 ans, Olivier, une très belle soirée. Alors, pour introduire et commencer par Alexandrie, qui marque votre destin et votre destinée, en travaillant cette soirée, je me suis rappelé une citation de Confucius. Pratiquer la bienveillance, c'est commencer par soi-même. Puiser l'idée de ce que l'on peut faire pour l'autre, voilà ce qui met sur la voie de la bienveillance. Et j'ai pensé que cette citation... vous allez bien en partant d'Alexandrie, cette patrie, me semble-t-il, qui est devenue, vous a mis sur cette voie de la bienveillance parce que vous avez tellement donné aux autres. Écoutez, j'ai beaucoup reçu surtout. Moi, je suis né à Reims et passionné de la mer, vous voyez, donc il y avait déjà un paradoxe au départ. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de quitter Reims. Ma famille est en Bretonne, de rejoindre le littoral breton d'aller au bord de la mer. Et donc, j'ai 28 ans quand je suis nommé, je dirais pas par hasard, mais enfin, par amitié, à Alexandrie, parce que j'étais proche de Laurence Burel, l'auteur de Quatuor d'Alexandrie. Et donc, je suis nommé contractuel du ministère des Affaires étrangères, après avoir vécu aux États-Unis, après avoir fait du théâtre, et différentes choses inutiles, mais passionnantes, comme la philosophie pendant des années. Créer des journaux, écrire des livres, etc. Et je me retrouve à Alexandrie, mais j'arrive à Alexandrie par la mer, en fait. Ce que font rarement les gens, c'est que je découvre cette ville absolument magnifique, ce port extraordinaire, qui est peu connu parce que les gens ne vont pas à Alexandrie. Ils pensent que c'est la mémoire, c'est le passé. Et j'y passe 2 années incroyables,
qui me transforme en ce que je découvre l'autre, l'autre vraiment radicalement différent, pas le breton, mais vraiment l'oriental, l'arabe. J'apprends l'arabe, je me passionne pour cette culture, je découvre l'islam, et là il y a une transformation, parce que je trouve ce que finalement j'étais peut-être, c'est-à-dire chaleureux, et empathique, et puis passionné par ces enjeux géopolitiques qui commencent à apparaître pour moi, le Sahel, toute cette région de l'Afrique, l'Égypte puissante, ces conflits du Moyen-Orient, tout ça me passionne. Et je vais être transformé par cette ville qui est une ville étonnante, parce que dans le fond les gens n'y vont pas visiter, il y a peu de choses à voir, mais il y a tellement à recevoir par l'histoire, et c'est pour moi la grande capitale au monde de la mémoire. Elle a été construite comme ça d'ailleurs, hein. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est ça le projet au départ. C'était de collecter toute la mémoire des cartes, des textes qui existaient, on en faisait des doubles et on a créé la bibliothèque d'Alexandrie. Mais des mémoires qui s'effacent, et une bibliothèque qui disparaît, le phare d'Alexandrie qui disparaît, il manque toujours quelque chose. Et d'ailleurs quand je suis arrivé, les gens m'ont dit « mais ah, vous auriez dû venir avant, c'était mieux ». Et moi j'aime bien aller sur les champs de ruines, parce que c'est des villes incroyables, 3-4 millions d'habitants, et j'ai vraiment un amour profond. Voilà. Et vous y allez régulièrement pour vous ressentir ? J'ai eu du mal à quitter Alexandrie. J'ai été un matin appelé, il était en 1989, on m'a appelé en fin octobre 89, au ministère de l'Intérieur, on m'a dit oh, « ça se passe très bien Alexandrie, tu travailles très bien, mais… » Alors je me dis « mon Dieu, qu'est-ce que… » Mais on voudrait te nommer dans un endroit plus important. Et on me dit « Prague, drame pour moi, parce que quitter les rivages de Méditerranée pour aller dans cette Europe centrale qui était quand même encore sous le joug du communisme, et bien m'a pris d'accepter, puisque quelques semaines après, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Et donc, j'ai gardé un appartement à Alexandrie, parce que je ne pouvais pas imaginer de ne pas avoir mon petit balcon sur la mer, dans une petite ville qui s'appelle Agami, qui est l'endroit maritime, la plage. Et pendant longtemps, je suis retourné. Je suis tombé amoureux, ça aide toujours, c'est une raison pour rentrer au pays. Et puis, peu à peu, ça… Mais enfin, cette ville est en moi. Après, j'étais infidèle, j'ai rencontré Tunis ces dernières années, pendant 4 années. Donc, là aussi, la Tunisie m'a vraiment séduite. Et donc, je me dis qu'il y a une part d'arabe en moi, certainement, insoupçonnée. Mais bon, la généalogie, c'est celle qu'on se fabrique soi-même. Certainement. Mais c'est peut-être embrasser cette espèce de voix aussi personnelle. Peut-être même un peu plus spirituel, on peut dire, quand on touche des terres ainsi, parce que quand vous verrez et vous lirez ce roman, on voit combien elle nous invite à… On sent charnellement l'histoire, alors il y a des couches. Alors c'est ce mouvement qui est intéressant. Oui, parce que c'est pas figé. Alexandrie, ça n'a pas cessé d'être détruite, il y a eu l'Alexandrie ptolémaïque, la grande Alexandrie, et puis après il y a eu l'Alexandrie romaine, il y a eu l'Alexandrie du monde arabe, il y a eu l'Alexandrie du 19e siècle avec les Européens. La culture grecque, le monde juif très présent à Alexandrie, qui a beaucoup porté cette ville, Moustaki, enfin vous voyez, toutes ces communautés, ce cosmopolitisme. Dans le fond, c'est un mot qui est grossier aujourd'hui, le cosmopolitisme. Cette ville était cosmopolite, comme Beyrouth l'était ou l'est encore un peu. Et c'est un endroit pour ça extrêmement vibrant. Alors, cette immense corniche qui est magnifique, et quand j'étais donc en poste, Alexandrie 88 sont arrivés. Franck Godiot et Jean-Yves Empereur, deux scientifiques, explorateurs, très différents l'un l'autre, mais qui se sont mis à fouiller la corniche, découvrir les restes du phare, la cité de Cléopâtre. Et donc, en fait, à chaque jour, à Alexandrie, les choses ressortent. Les mesures d'archéologie préventive qui consistent à dire, dès qu'il y a un petit vestige qui apparaît, on arrête tout, on ne construit pas, ben, Alexandrie… Heureusement qu'il y a ces archéologues qui ont permis de bloquer des chantiers parfois. Bon, et puis se reconstruit des choses. Il y a une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie depuis maintenant 20 ans. Un bâtiment qui est assez beau. J'étais en partie en charge de mettre en place le concours avec l'UNESCO qui a permis de choisir les lauréats nordiques qui ont construit cette bibliothèque d'Alexandrie, qui est le dernier endroit où les jeunes gens, filles et garçons, peuvent aller se rencontrer sans qu'on les taxe de vouloir coucher ensemble. Donc là, au moins, derrière les livres,
ils peuvent se regarder, se séduire. Quand je dis garçon et fille, c'est tout sexe ensemble aussi, voilà. Oui, c'est ça. Mais est-ce que justement cette bibliothèque en tant qu'homme de culture, on va continuer, est importante pour dire combien le livre, de rassembler les livres, c'est important? Oui, ça a été dans l'histoire des siècles, de l'humanité, aussi un élément de souveraineté. Les bibliothèques nationales, les archives nationales conservaient ces trésors. Le livre est un trésor. Le livre, c'est d'abord un objet magnifique. Ici, on est heureux d'être là dans ce cadre merveilleux. Oui. Ils sont là. Les livres, ce n'est pas que des fichiers. Voilà. Je pense que l'informatique, c'est formidable de recevoir un livre par fichier, mais l'avoir dans la main. Là. Comme Gérard Philippe l'avait dans la bouche, il y a une photo formidable où il mord un livre. Ah oui, c'est Euh, vrai. donc, oui, je pense que c'est important de pouvoir collecter, et c'était le grand mythe d'Alexandrie Bibliothèque qui est ce premier mythe de la collection. D'ailleurs, quand j'ai travaillé votre rencontre, j'ai repris le premier homme que je vous conseille de relire, Mes amis, d'Albert Camus. Chacun sait combien j'apprécie Albert Camus, et qui dit dans un des passages que les mois, les années faisaient naître et grandir en eux, en parlant de ces Jacques et Pierre, un univers d'images, de souvenirs irréductibles, la réalité où ils vivaient tous les jours. Ce que contenaient les livres, au fond, n'avait peu d'importance. Ce qui importait était ce qu'ils représentaient, et d'abord en entrant dans la bibliothèque, où ils ne se voyaient pas les murs de livres noirs, mais un espace et des horizons multiples qui, dès le pas de la porte, les enlevaient à la vie étroite du quartier. Le fait même d'avoir ce contact physique avec les livres, avant même de les lire, portait ces jeunes et... Moi, j'ai été. C'est la Géroise qui parle en vous, là, Ah oui. l'émotion Camus. Moi, j'ai pas eu le choix parce que on naissait à domicile à l'époque, dans ce siècle précédent, et on naissait à la maison, enfin, parfois. Et donc, Oui. ma maman avait été délocalisée en quelque sorte dans l'appartement, dans la pièce qui était la bibliothèque. Donc, je suis né dans une bibliothèque, voilà. Mais bon, il faut que les bibliothèques soient vivantes, hein. Il ne Ah s'agit oui. pas de. Et justement, Les secouer, alors, faut trier les il faut livres. trier. Alors la culture, justement, on sait que la culture désigne un petit peu ce particularisme de chacun d'entre nous, nous permet de nous élever aussi au-dessus de nous, et donc d'aller vers l'autre. Hein, c'est très important, parce que ça marque quand même votre chemin. Oui. C'est avec les initiatives que Oui, vous moi avez c'est. toujours été à l'origine. J'étais d'une famille instruite, hein, mais on n'avait pas. J'étais à mon premier concert quand j'avais 14 ans, moi. Donc c'était le concert d'orgue, c'était pas très gai, à la cathédrale de Reims. Enfin bon. Après, c'est venu différemment. Pour moi, la culture, c'est vraiment un. C'est parce que j'en ai reçu un peu que j'ai envie de partager. Et je trouve l'injustice majeure aujourd'hui, elle est dans cette apartheid, j'emploie ce mot à dessein, entre ceux qui ont la culture, qui ont accès à la culture, qui sont la culture, ou qui la font, et puis ceux qui ne l'ont pas du tout, qui ne l'auront jamais. Et c'est quoi? C'est une histoire une question sociale. C'est-à-dire que tout simplement, si quand vous êtes gamin, quand vous rentrez chez vous, il n'y a pas un bouquin, il n'y a pas un tableau, il n'y a pas une œuvre, personne ne vous en parle, vous ne vous intéresserez pas à ça. Et aujourd'hui, le combat culturel, car il faut mener un combat, il a été mené magnifiquement dans les années 60 avec Malraux, avec les œuvres, avec Jacques Lang de manière exceptionnelle. Franchement, il y a eu un renouveau. Mais je trouve aujourd'hui que tout ça est un peu mollasson, pardonnez-moi, mais Oui. les enjeux de partage de la culture, de la démocratisation culturelle, c'est un vieux sujet depuis 20 à 30 ans, est toujours pas traité. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de gens qui achètent des livres, qui vont à l'opéra ou au théâtre, au cinéma, ce sont toujours les mêmes. Et ils achètent plus de livres, ils vont plus de livres. Donc il faut se battre pour ça. Il faut que tous les enfants, dès 3-4 ans, aient cet accès, je dirais, obligatoire à la culture. Obligatoire, pas au sens d'une punition, mais que véritablement, et si on doit créer, il y en a un passe culture, il faut qu'ils permettent dès l'adolescence, la prime adolescence, à ces jeunes-là de se faire leur propre image du monde, la sensibilité. Alors quand je parle de la culture, ce n'est pas la haute culture, ça peut être toutes ces cultures rock, et pop, et musicales, et cinématographiques, et BD, et la mode, etc. Elle prend mille formes, la culture aujourd'hui.
Mais je trouve que ça ne doit plus être aujourd'hui simplement le fait d'une classe réservée, et qu'il faut à ce titre-là que nous, Français, qui avons été en avant sur plein de sujets, sur l'exception culturelle, sur la diversité culturelle, nous soyons beaucoup plus offensifs. Alors évidemment, c'est compliqué aujourd'hui pour les artistes, et c'est compliqué pour les gens qui s'occupent de la culture. Mais le ministère de la culture doit être un ministère de la création, de l'intelligence, de la vie, du partage. Voilà, et je crois à l'époque que Mitterrand avait dit, je crois, à Jacques Lang, mais tous les, ou c'est Jacques Lang qui avait dit à ses collègues du gouvernement, mais vous êtes tous ministres de la culture. Voilà. Et l'environnement, c'est la culture. Les affaires étrangères, c'est la culture. Moi, je suis diplomate parce que, pratiquant la diplomatie culturelle, m'intéressant aux cultures des autres, je pense pouvoir avoir un élément de négociation, parce que quand vous vous intéressez aux gens, ils s'intéressent à vous. Donc, voilà. Mais le combat n'est pas fini, et ce n'est pas que des combats sectoriels, de clientèle, ce n'est pas que les questions essentielles d'intermittence du spectacle. Tout ça est déjà là. C'est vraiment faire que partout, quelle que soit son origine, on ait accès à cette chose extraordinaire qui fait qu'on s'ennuie jamais, parce que c'est comme ça qui est formidable, c'est que vous ne vous ennuierez jamais avec un livre. Et mon grand-père me disait, il ne faut pas être riche dans la vie, parce qu'avec un plat de pâtes et un livre de poche, on est très heureux le soir. Voilà. Non, mais c'est sûr, mais parce que c'est, merci de le rappeler, parce que nous, ici, dans notre cercle, dans notre mission, c'est mon idéal, hein, de partager et de mettre en lien les écrivains avec les lecteurs. Ça doit se trouver au cœur de la cité, dans un vrai projet politique, je pense. Et bon, en ce moment, c'est difficile. Et mais justement, peut-être une question, en raison des difficultés que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, une nouvelle conscience de, quand on va pouvoir recréer ces liens qui nous manquent tant, au-delà de sociaux, il va peut-être y avoir un sursaut, et peut-être de dire, mais effectivement, c'est devenu fondamental de s'attacher davantage à ce partage, parce qu'on parle aujourd'hui, et je voulais votre avis, d'être augmenté. Alors, je suis augmentée par mon iPhone parce que j'ai accès à Wikipédia, parce que j'ai accès là, je peux aller au bout du monde. On est augmenté par la machine, on peut faire des zooms, alors merci, on a pu en faire cette période. Mais justement, cet homme augmenté, entre guillemets, ou femme augmentée, bien sûr, ça va nous paraître insuffisant, du coup. Parce que ce côté charnel avec le livre, ce côté aussi, je partage ce que j'ai lu avec toi, est important. Et puis pour des enfants, bien sûr, on pense à la jeunesse qui la relève demain. Il est nécessaire de les accompagner. Je pense que là, on va peut-être avoir une autre conscience. Oui, alors, c'est le Covid, en même temps, a amené tout un discours sur la culture et sur le numérique. Hein. C'est qu'on s'est dit, finalement, avec le numérique, on peut s'en sortir, parce qu'on va s'abonner à Netflix, on va regarder plus Arte ou la télévision, on va avoir accès à travers, en effet, l'outil numérique au monde entier. Et c'est vrai qu'il y a un sujet, là. Moi, ce qui me paraît étrange, c'est qu'aujourd'hui, la culture, elle est déconnectée de tous les sujets qui comptent. C'est-à-dire le numérique, elle découvre le numérique, alors qu'en effet, elle permet la transmission des œuvres. Alors, elle ne sait pas s'il faut être pour ou contre, vous savez pas, chacun a son point de vue là-dessus. Le numérique, entre nous, ne peut pas s'appliquer à tout. Je veux dire, le spectacle vivant et le numérique, bon, je veux bien, mais ce n'est pas évident. Quoi. Donc ça, c'est vraiment. Deuxièmement, l'éducation, culture-éducation, ça devrait être vraiment le grand projet commun des ministres de l'éducation et de la culture, l'éducation même pas artistique, ça c'est trop technique, c'est la flûte à bec, c'est l'éducation à sensibilité, le vêtement, le parfum, tout ça c'est la culture. Puis enfin aujourd'hui la planète, moi c'est mon sujet depuis maintenant quelques années, parce que je me passionne pour les sujets de mer, de littoral, et aujourd'hui pour les sujets polaires, mais je pense que le grand sujet de la culture c'est justement ce rapport à l'environnement. Et beaucoup d'artistes commencent à travailler sur cette question de la planète, de l'environnement, du respect, du vivant, de l'animal, toute cette conscience qui dans le fond, est née il y a 30 ans, au moment du traité de Madrid sur l'Antarctique, par exemple, quand on a décidé de sanctuariser cette région extraordinaire, d'en faire un espace de paix, de science, avec les premiers environnementalistes à l'époque. Brice Lalonde qui a attiré avec René Dumont notre attention sur cette question de l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, l'environnement, pour les femmes et les hommes de culture, enfin ceux qui sont vraiment
passionné par ça, mais c'est un vrai sujet sur lequel moi je vais essayer de travailler dans ma nouvelle mission que vous avez citée d'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, ambassade qui a été créée en 2009 par Michel Rocard. Michel Rocard, oui. Alors avant d'aller sur ce sujet-là, il y a déjà, on parlait d'amitié, mais en même temps un lien avec cet engagement du musée de la marine. La marine, je suis président du musée de la marine. Alors président. Là, c'est à la marine. Oui. Voilà, là. Alors je voulais que. On puisse regarder quelques images. J'ai rencontré Olivier Poivre d'Arvor il y a à peu près 6 ans, quand il était directeur de France Culture. Et ça a été évidemment un grand moment. J'étais en pleine période de sélection pour être directeur du musée de la Marine. Lui était déjà le président du conseil d'administration du musée. Évidemment, on a conversé, j'étais tout intimidé. Je peux vous dire que ça va mieux depuis. Et on a fait affaire ce jour-là. Voilà. Ce jour-là, on a commencé à créer ce duo qui perdure jusqu'à aujourd'hui, où ensemble, eh bien, on refait le musée de la Marine, on refait un nouveau musée, un musée de demain, un musée unique au monde qui sera le grand musée maritime français. Alors Olivier, on se voit très souvent, un peu moins quand il était ambassadeur en Tunisie, et depuis qu'il est rentré, depuis qu'il a ses hautes et belles responsabilités d'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, j'ai envie de dire qu'on ne se quitte plus. On ne se quitte plus sur le fond, je lui présente des gens, il me présente des gens, il m'emmène voir le prince Albert II à Monaco. On fait des grandes choses ensemble, mais on fait des grandes choses ensemble pour ce grand musée, pour la France, pour positionner la France comme grand acteur maritime dans le monde. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors Olivier, plus je le vois, plus je l'apprécie. Je l'apprécie dans plein de domaines. Principalement, j'admire tout d'abord l'écrivain. J'ai été baigné par toutes ses lectures, celles qu'il a faites avec son frère Patrick. Son dernier ouvrage sur les marins, je l'ai présenté dans une émission littéraire au musée. J'ai invité les deux frères, j'ai fait un peu peut-être le Christine Bach, peut-être, autour de l'encyclopédie des marins. C'est extraordinaire, ça fait voyager, c'est des très belles histoires. Et puis je le respecte, bien sûr, et je l'admire dans son rôle d'ambassadeur. Je l'ai vu en Tunisie, il m'a invité 2-3 fois par an pendant 4 ans. J'y allais toujours avec grand plaisir, ce qui me recevait de façon très, très généreuse, très chaleureuse, comme il sait faire. Il me présentait à tout le monde, voilà, il m'a dit, je dormais dans la chambre du président de la République, c'était absolument génial. Et puis je l'ai vu faire, j'étais très admiratif de son rôle comme ambassadeur. L'amiral Campredon, c'est lui qui fait le boulot, moi je suis président du conseil d'administration, mais il est en train de préparer un musée magnifique, c'est un passionné, de toute façon les gens qui aiment la mer sont rarement pas passionnés, mais en tout cas, c'est un homme formidable. Et en 2022, on réouvre. Alors, voilà. Et ce grand musée qui est donc sur la place du Trocadéro, et qui a d'ailleurs des musées aussi de littoral, aussi bien à Brest, à Lorient, à Rochefort qu'à Toulon, et avec l'ambition que Vincent va porter d'en faire un grand musée maritime. La France, c'est la moindre des choses, c'est un des grands pays maritimes au monde, elle a aujourd'hui le deuxième domaine maritime au monde. Oublier, je répète tout le temps que notre espace marin est 16 fois plus important que notre espace terrestre. L'espace terrestre, la France est petit, hein, c'est 500 000 km². Notre domaine maritime, c'est 10 millions de km², donc 16 fois plus. Donc on a cet espace, ce domaine maritime, on a après une capacité de nous projeter sur tous les théâtres d'opérations, les mers du monde entier, avec la marine nationale entre autres. On a vraiment aussi un rapport économique important, la construction navale en France, les grands transporteurs, CMA CGM, la pêche, la moitié des touristes qui viennent en France viennent pour aller sur le littoral français, donc en termes de PIB, la mer c'est très important. Et puis on est très bon dans le domaine scientifique, on a des meilleurs scientifiques sur les questions de la glaciologie, des pôles, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique. Puis enfin depuis quelques années, depuis 2015, depuis l'accord de Paris, sur le climat, on a une image vertueuse sur le climat et sur la préservation de la biodiversité, des aires marines protégées. Donc c'est un domaine que je connaissais bien, mais maintenant j'ai l'impression d'être immergé, d'être sous l'eau tout le temps. Mais qui me passionne, c'est se battre pour les 3/4 de la planète, puisque les pôles, Arctique et Antarctique, plus l'ensemble du domaine maritime, c'est 74% de la planète. Oui, quand même. Alors justement, par rapport à... On a aujourd'hui, on parle beaucoup, est-ce que les consciences de notre rapport avec la planète, et j'ai souvent envie de dire, c'est plutôt un rapport avec la nature, c'est comme si nous prenions conscience de notre, on n'est plus sur cette planète uniquement
posée, mais on a un rapport d'unité avec cette planète et que ça commence à se germer cette nouvelle conscience par rapport. Mais maintenant, bon, c'est bien beau, concrètement, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une gouvernance des maires qui permettent des décisions concrètes? Est-ce qu'il y a des... C'est ça aussi. Oui, vous avez raison, mais il y a cette conscience. Alors, d'abord, il faut relativiser un tout petit peu, parce que il y a une certaine forme d'élitisme de conscience. Voilà. Et les élites ont cette conscience-là, ou en tout cas les supposées élites, les prétendues, les autoproclamées élites. Mais moi qui ai passé 4 années en Tunisie, la conscience environnementale n'était pas celle dont j'entends parler tous les jours aujourd'hui ici. Donc il faut bien voir que dans les pays en voie de développement, dans les pays du Sud, dans les pays où il y a justement des raisons d'ailleurs de s'y intéresser, le stress hydrique, la sécheresse, l'érosion côtière, enfin, tous ces pays de la Méditerranée qui sont frappés par tout ça, n'ont pas placé ça au titre des grandes urgences. Alors, aujourd'hui, pour répondre à votre question sur la gouvernance, oui, il y a les Nations Unies, il y a un certain nombre de conseils, il y a l'Organisation Mondiale Maritime, l'Organisation Internationale Maritime qui est à Londres, qui s'occupe de la sécurité, de la circulation en mer. En même temps, il y a beaucoup de zones de non-droit encore, puisque chaque pays a un domaine maritime, une zone exclusive économique, et puis il y a 75% de la mer qui n'appartient à personne. Et là, il y a des grands débats sur faut-il explorer les grands fonds pour exploiter éventuellement des minerais, des terres rares qui vont servir à faire nos fameux portables. Donc ça, c'est un sujet. Il y a le sujet des aires marines protégées. L'ambition du président de la République, Mme Macron, c'est, en tout cas du côté français, 30% d'aires marines protégées, ce qui est quand même beaucoup, mais on va y arriver, notamment grâce à tout ce domaine maritime que nous avons. Il y a le sujet de la pollution. La pollution plastique est dramatique. Et ce n'est pas l'océan qui est pollué, c'est la terre, c'est tout ce qui vient des estuaires. Aujourd'hui, vous ouvrez un poisson, vous ouvrez surtout un oiseau, une mouette, toutes les mouettes ont dans le ventre, dans l'estomac, des morceaux de plastique colorés, c'est assez impressionnant, qui montre que vraiment c'est mondialisé tout ça. Alors, la conscience, on l'a, nous, un petit cercle de décideurs qui décident en effet d'un certain nombre d'indicateurs, il y a des conférences climat, il y a un certain nombre de rendez-vous. Néanmoins, le jour où chacun se rendra compte le lien puissant qu'on a les uns avec les autres, je pense que la Covid l'a permis, dans le fond. Mmh. Là, de sa manière, là, on est tous enchaînés. Donc, après, je pense que les réflexes, disons, tribaux, familiaux, locaux vont revenir. Hein. Mais en effet, ce sentiment d'être un et une seule planète, je pense qu'avec ce grand confinement généralisé de 4 milliards de personnes au mois de mars 2020, là, cette conscience planétaire, elle a existé fortement. Mais par exemple, en tant qu'ambassadeur de France en Tunisie, vous avez été à l'initiative du Forum de la mer de Dijon. Oui, oui. Et de cette initiative aussi de la Saison Bleue, là, c'est une association, c'est la société civile. Oui, oui, c'est la société civile. C'est là où se trouve la force, parce que très souvent, je suis représentant des pouvoirs publics, mais très souvent, les pouvoirs publics veulent cocher des cases, et voilà, et où. Ou plaire aux politiques. La société civile, non. Et en Tunisie, il y a un certain nombre d'activistes environnementaux sur la question de la mer. La Tunisie, c'est une bordure maritime de 1400 km² sur laquelle vivent les trois quarts des habitants. Donc c'est très important, à 50 km du littoral. Mais avec pour ceux qui connaissent un peu la Tunisie, Gabès, le golfe de Gabès, c'était avec la seule oasis maritime au monde, un endroit unique. En 30 ans, à cause du phosphogypse rejeté avec l'exploitation du phosphate, cet endroit miraculeux qui aurait dû être classé a disparu complètement. La faune et la flore sont ravagées. Donc les méfaits industriels, l'érosion côtière, le trait de côte qui recule, la pollution, l'aménagement du territoire, dans les côtes magnifiques tunisiennes ont été un peu abîmées, même parfois beaucoup abîmées. Et donc j'ai en effet essayé d'accompagner ça à travers un forum de la mer que présidait Pascal Lamy, et puis aussi cette saison bleue qui a permis en effet de faire vivre. Les gens ont envie de protéger la planète, il faut juste leur donner la possibilité de faire autre chose qu'aller ramasser simplement des cochonneries sur les plages. Il faut vraiment que
ils savent que ça va servir à quelque chose et à leurs enfants, voilà, et que leurs enfants se porteront mieux si s'ils ont une nourriture équilibrée, si on ne surpêche pas, c'est un certain nombre de sujets comme ça, techniques, mais importants. Et pour terminer, nos pôles, alors nous avons des, j'ai vu dans l'actualité, des scientifiques qui s'en vont, ouais. C'est quand même important. Oui, oui, parce que bon, d'abord ça fait rêver à travers la littérature, et évidemment, Paul Mille-Victor, mais... Quand même, au-delà de ça, ce sont vraiment les meilleures mesures du désastre climatique. C'est-à-dire que les deux degrés en trop, on les connaît au pôle. Donc ça a fait qu'aujourd'hui, on sait qu'en 2040, dans l'Arctique, la banquise aura disparu pendant une période de l'année. Il n'y aura plus de banquise. Donc, les photos qu'on voit aujourd'hui, on ne les verra plus, parce que pendant 3-4 mois, il n'y aura plus de banquise. Elle se reconstituera pendant l'hiver, mais pas avec la même nature. Donc, c'est évidemment un sujet, c'est évidemment un sujet à travers ça, évidemment, de la montée des eaux, et donc ça touche l'ensemble de l'humanité. Et puis, alors, en Antarctique, où la France a une responsabilité, elle va organiser au mois de juin la grande conférence des pays de l'Antarctique, et que le président de la République inaugurera, et ce sera l'occasion de faire le point sur ce sanctuaire, en fait, de paix, de science, où les nations qui voulaient être propriétaires ont renoncé à cette idée d'exploiter pour faire de cette terre-là une sorte d'utopie, hein, de ce que serait une humanité respectueuse. Donc voilà, les pôles, oui, ça m'occupe et ça me passionne. Donc à Paris, là. Alors ça, à Paris, La Réunion, et puis il y aura donc pendant 3 mois une manifestation que porte la société civile, là, qui s'appelle 2021 l'été polaire. Donc, pendant 3 mois, partout en France, dans les Outre-mer et aussi à l'étranger, on va célébrer les pôles à travers l'histoire, des images, on va monter plein de conversations par Zoom avec les stations des différents pays dans l'Antarctique, dans l'Arctique. On fera vivre tout ce monde polaire qui nous fascine. Et tout ça se terminera par une très belle éclipse solaire, magnifique, mois de décembre, qu'on ne peut voir que de l'Antarctique. Voilà, voilà l'été polaire de 2021. Et pour terminer, l'homme, l'écrivain et l'homme, qu'est-ce qui qui aime tant ses mères, on pense à Jules Verne, on peut imaginer, est-ce que Olivier Port-Vaudarvor se projetterait dans une fiction? Ah, pour rêver un peu. Oui, avoir rêvé, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup rêvé quand j'étais jeune. Maintenant j'essaie d'accomplir mes rêves, de les réaliser. Mon rêve, c'est quand même de terminer... le mieux possible l'éducation de ma fille, hein, dont oui. Vous avez parlé, que j'ai rencontré quand elle avait 9 ans, qui vient du Togo, et qui passe son bac cette année, donc ça c'est mon premier objectif. Elle a grandi. Oui, ça grandit, cette petite bête-là, oui, et formidable. Voilà, donc ça c'est un. Et puis l'autre, non, j'ai essayé de faire du bien, parce que j'ai reçu beaucoup, peut-être autour d'adoption, créer une fondation qui permettrait d'aider un certain nombre de parents, d'enfants, voilà. Générosité de la famille comme le frère qui a fait cette maison. La maison de Solène. Oui. Écoutez, c'est même pas de générosité, je trouve qu'on a un tribut pendant ce moment qui s'appelle le séjour, hein, qui est la vie sur Terre. Si on peut profiter pour être un peu aimable, quand on a été aimé, d'aimer, ça c'est vraiment important. Donc, sans verser dans une espèce de vision larmoyante du monde, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les aime et qu'on leur dise qu'ils sont beaux, voilà, et qu'ils le méritent. Eh bien, merci Olivier. Mes chers amis, voilà, nous finissons sur la note qui nous ressemble, hein, sur une note d'amour. Je voudrais rappeler que on se retrouvera très vite. La publication de notre fidèle aussi ami Charles Pépin, La Rencontre, hein, cette trilogie après Les Vertus de l'échec et puis La Confiance en soi, donc nous le rencontrerons aussi dans les livres aussi pour comme on est en train de parler de réenchanter l'Occident avec Marie-Laure Colonna, les mythes, les 5 mythes qui nous invitent à revisiter et avoir une autre conscience aussi, et bien sûr je n'oublie pas notre prix littéraire Marco Polo Venise, 4 amours
de Christina Comencini, qui a eu 4e édition l'année dernière, donc qui va être reportée et qu'on va retrouver à Venise en début de l'été. Et la traductrice est Dominique Vitoz, et donc l'écrivain Christina Comencini, avec qui j'ai fait aussi une interview que je vous ferai connaître. À très vite pour une prochaine conversation.